prochain. Bonjour, 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 bonjour à tous. J'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo. Mais aujourd'hui, je vous fais une vidéo juste pour vous présenter en fait un nouveau produit. Et donc, fait que sans plus attendre, en fait, le produit, ce sont des sacs à collation ou sacs à sandwich. En fait, j'ai fait le test l'année dernière en le confectionnant en fait pour mon garçon pour l'année scolaire. Et ça m'a été tellement bénéfique. J'ai plus besoin en fait d'acheter des sacs en fait Ziploc. Je n'étais plus inquiète en fait là, à savoir est-ce que j'ai des sacs Ziploc pour pouvoir comme préparer sa boîte à lunch. Ça c'était terminé pour moi là. Et donc fait que l'ayant préparé et sachant que c'est la rentrée scolaire, ben j'ai décidé de vous préparer également des sacs à collation ou des sacs à sandwich pour vous faciliter également la vie à ce niveau. Il fait beau, je suis dans un parc pour vous présenter en fait là ce que j'ai eu à réaliser. Et donc fait que j'ai deux modèles. J'ai ce premier modèle qui est comme ça. Celui-là c'est le moyen, c'est vraiment le sac à collation. Et donc lui il s'ouvre de cette façon aussi simplement pour pouvoir comme mettre l'aliment ou le produit à l'intérieur. Ici c'est du pull en fait de grade alimentaire, donc fait que la nourriture peut toucher en fait cette partie sans problème. Le deuxième modèle c'est celui-là, c'est avec velcro et c'est pareil. Et donc fait que c'est toujours fait à base en fait de tissu wax ou des tissus africains, mais aujourd'hui j'ai particulièrement utilisé le tissu wax. Et donc sans plus tarder, je vais juste vous faire une petite démo de comment pouvoir l'utiliser. Excusez, donc fait que je vais vous le montrer. Donc fait que si je prends par exemple celui-là, votre sandwich, vous l'avez ainsi, c'est facile de pouvoir comme l'insérer à l'intérieur. Et de le fermer, tout simplement. Et voilà, c'est prêt. Ici pour la collation, je pourrais comme mettre des petits biscuits. Ou aussi, à la place des petits biscuits, on peut mettre aussi des fruits. Et donc, fait que ça se ferme aussi simplement. La particularité avec celui-là, c'est que ça ne tombe pas. Même si votre enfant le retourne comme ça, vous voyez, ça ne tombe pas. Et donc, fait que pour pouvoir l'utiliser, il va juste l'ouvrir. Et il a accès, en fait, à ces petits biscuits pour pouvoir les manger. Et donc, fait que, voilà, fini, en fait, les sacs plastiques. C'est écolo en plus. Et donc, fait que vous avez comme différents modèles. Je vous montre ici différents tissus. Donc, voilà. Ben, ils seront en stock limité. Donc, si vous avez des besoins, ben, communiquez avec moi. Et pour votre information, la livraison est gratuite pour ces sacs à collation. Et donc, fait que voilà, c'était ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. À bientôt!